Qui peuvent paraître anodines, mais qui sont hyper importantes pour la suite de ce bilan. Et notamment des décisions qui seront à prendre. Ne vous en faites pas, de toute façon. Il n'y a aucune raison de s'en faire. Est-ce que vous avez déjà fait appel à un ophtalmologue avant? D'accord. Et à combien de temps remonte votre dernier bilan visuel? Spécifique également dans votre vie.
Alors ça va se passer en trois étapes. Donc je vais déjà faire un petit contrôle de votre acuité visuelle. C'est-à-dire qu'on va faire un petit test de vue à l'aide d'un optotype. Je vous montrerai ce que c'est après. Donc vous allez devoir lire des lettres plus ou moins grandes qui seront affichées sur un support. On le fera après, ça sera très simple. Le second point de ce bilan, ça sera un examen des milieux oculaires, donc je vais utiliser une petite lampe pour examiner en détail l'œil, comme l'état de votre cornée, de vos cornées en l'occurrence. Et enfin, on fera un petit examen du fond de l'œil. Alors c'est, je vais utiliser une sorte de lampe un peu spéciale aussi, mais ça me permettra de détecter ou non la présence de maladies, la leucémie. L'hypertension par exemple, c'est hyper important, d'où l'intérêt d'aller régulièrement, entre grosses guillemets, chez l'ophtalmologue. Bon, eh bien, je vous propose de passer au premier point qui est le contrôle de votre acuité visuelle. Je range votre dossier. Donc ça se présente comme ceci. Alors l'idée c'est de se mettre à une distance assez raisonnable et je vais vous montrer finalement les différentes lettres et vous allez me les lire à voix haute. On commence. Ça commence à être un peu dur. On passe à l'étape un petit peu supérieure. Ça commence à être un petit peu. Ça me permet un petit peu de voir ce qui va. Ce qui ne va pas. Alors je vois que vous avez un peu de difficulté sur les trois dernières lignes. Alors si vous voulez, après on effectue une sorte de note de 0 à 10, donc 0 étant la valeur la plus faible et 10 sur 10 étant la meilleure note. C'est un petit peu comme à l'école, mais pour vos yeux. Il semblerait que mon stylo bleu ne fonctionne plus. Tiens, tiens. D'accord, d'accord. Bah écoutez, maintenant que ceci est fait, nous allons passer à un petit test, comme je l'ai dit, de vos milieux oculaires. Alors ça paraît un peu obscur comme terme. Je vais simplement utiliser une petite lampe ici. Sculpter un petit peu. Alors, gardez vos yeux bien ouverts. Alors, hop, vraiment. Alors, je sais, ça éblouit un petit peu, mais c'est normal. Pas de soucis.
Chose ici. C'est déjà fini. Ça agresse un petit peu vos yeux, mais c'est tout à fait normal et ça n'a aucun effet négatif, ne vous en faites pas. C'est temporaire. Ok. Bon. Eh bien écoutez, je n'ai pas recensé.
Donc il n'y a aucun souci.